Mimouna Ambly et son avocat ce matin au palais de justice de Toulouse. Cette femme, âgée de 37 ans, comparée pour outrage, rébellion et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je suis extrêmement en colère, vu que je suis une citoyenne qui n'a jamais été condamnée, qui est un casier judiciaire vierge de surcroît. D'être ainsi incriminée, d'être ainsi pointée du doigt par rapport à mon vol, qui demeure et reste une liberté de pratique du culte religieux. Les faits remontent au mois dernier. Dans cette vidéo filmée par un amateur, on ne voit que la fin de la scène, lorsqu'une femme en niqab est interpellée par des policiers. Ces images ont fait le tour du web. Le soir même, puis durant 4 jours, les quartiers de la Rennerie, Bagatelle, La Faourette devenaient le théâtre de violents affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de police. Deux policiers se sont portés partie civile. L'avocat de la prévenue conteste leur version des faits. Nous considérons que Mme Ambly a subi des violences policières, raison pour laquelle une plainte a été déposée et pour laquelle nous demandons au juge un supplément d'information, c'est-à-dire de ne pas juger Mme Ambly aujourd'hui, de désigner un juge qui devra procéder à des investigations plus complètes pour savoir ce qui s'est passé. Les magistrats ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils l'ont condamné à 6 mois de prison, dont 3 fermes. C'est plus que ce qu'avait requis le procureur de la République. Mimouna Ambly a annoncé faire appel de cette décision.